rue. Donc j'ai lancé le live. Ok. C'est là où on est censé dire bonjour, non? C'est ça. Ah, pas bonjour. Plutôt bonsoir, c'est la bonne formulation, mais bon. Donc coucou tout le monde. Donc on va faire un live sur Dungeon Avionless. Donc si vous connaissez pas, vous allez découvrir le genre. Je vais expliquer les... enfin, le jeu. Je vais expliquer les mécaniques, etc. Merde. Et merde, j'ai tout cassé, voilà. Donc par contre, je vais reprendre ma partie que j'ai lancée, si ça vous gêne pas, comme ça, ça vous permettra de voir une partie avancée, puis au pire, si je me rate dans la run, de toute façon, on est sur le jeu jusque 22h30. Et à 22h30, on fait un arrêt, et on va sur Warhammer 40 000, comment s'appelle, Armageddon, qui est sorti là, il y a 3 jours. Donc je le découvrirai par contre en même temps que vous. J'ai pas vu de vidéo sur internet, la seule vidéo que j'ai vue, enfin les deux, c'est les animations des unités et la vidéo d'introduction qui était disponible sur le site officiel. Et je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Et on se quittera là à minuit, je pense que ce sera déjà pas mal de live, en sachant que les rediffusions seront disponibles dès demain comme d'habitude. Je ferai au plus vite pour tout simplement... histoire que ceux qui n'étaient pas là au live puissent voir la rediffusion. Donc vous inquiétez pas, normalement, s'il n'y a pas eu de problème pendant le stream, vous aurez bien la vidéo et pendant le transfert. C'est en ce moment, malheureusement, j'ai quelques petits problèmes. Mais normalement, vous aurez tout demain. Donc même pour ceux qui ont regardé le stream, si vous n'avez pas compris certaines choses, même si vous avez des questions là sur le stream, n'hésitez pas à les poser. De toute façon, Sikwa était avec moi, il a aussi joué pas mal le jeu, on y a joué à deux en multiplayer. Non, j'ai pas joué. Tais-toi, Sik. Non. Ne fais pas ton dissident. Je suis dissident. Non, fais pas ton... tais-toi. Si, je suis dissident. Non, tais-toi, non. Tais-toi. C'est ça parce que monsieur a acheté Assassin's Creed Unity, je te le jure. Ceci n'a aucun rapport. J'ai craqué, c'est pas ma faute. J'ai cédé à l'achat impulsif. Non, compulsif. Ouais, pareil. Non, pas pareil. Oh. Oh, fou. Pour moi, c'est la même. Donc on va reprendre la partie. Hop. Non, tu reprends pas. Si. Je redémarre. Non. Arrête, en plus elle est bonne ma partie, arrête. Non, elle est nulle. Alors, donc Dungeon Avionless. Donc, pour information, si vous ne connaissez pas, donc c'est un jeu édité et développé par Amplitude Studio, un studio français, à savoir que le jeu est sorti l'année dernière en janvier en Early Access, et qu'au fur et à mesure, le jeu a été peaufiné, amélioré, etc. En plus, avec l'avis des personnes qui ont acheté le jeu via le site officiel donc d'Amplitude Studio. Ils font toujours la même chose pour leur jeu, genre là récemment avec Endless Legend, ils ont rajouté une nouvelle faction mineure, ils ont aussi rajouté pendant le développement de Endless Legend, ils ont aussi rajouté une faction par rapport au design d'un joueur et membre des From qui a rajouté justement, qui a créé un design pour les unités, donc et ils l'ont repris, ils l'ont intégré dans le background, etc. Donc Dungeon Avionless, donc c'est un jeu en... Alors c'est un peu bizarre comme mélange, c'est du tactical RPG Tower Defense, en gros. Et donc le but, c'est donc d'évoluer dans une série de donjons, à savoir que dans le jeu, en ce qu'ils appellent le mode très facile, mais en réalité c'est normal, pardon. On a 12 niveaux apparemment en mode facile, à savoir le mode difficile, ce qui est une histoire de troll autour de tout ça. Vous avez apparemment 10 niveaux, mais en réalité apparemment il y en aurait 12, j'ai pas trop compris, enfin on verra si j'arrive à faire les 12 niveaux en mode facile, en gros pour le jeu c'est ça, ce mode là. Et donc pour le moment j'ai réussi à finir le jeu qu'avec le vaisseau de base, quand on s'écrase, en mode très facile, donc le mode normal. Donc j'ai fait les 12 niveaux, etc. J'ai un peu galéré. Et donc nous sommes, donc au départ on commence avec deux héros, en tout cas avec le premier vaisseau, et donc au fur et à mesure on peut en recruter, tout comme dans les autres jeux de la franchise Endless.
nous avons en ressources l'industrie, la science et la nourriture. À savoir qu'en fait, ces ressources augmentent au fur et à mesure quand on installe les modules respectifs. Donc à savoir ici, le vert, c'est la nourriture. Bon, j'en ai pas encore mis, parce que j'ai pas eu de la chance, mais après, il y a le module je sais pas quelle couleur c'est, vous me direz au pire. Il y a le module industrie et le module science, à savoir que les gros cristaux bizarres là qui sont un peu bleu luminescents, c'est tout simplement les cristaux de recherche. Je vais vous montrer ça dès que ma recherche sera finie, parce que malheureusement j'ai lancé la recherche dans les deux cristaux que j'ai. Et donc ça nous permet de débloquer des nouveaux trucs ou d'améliorer justement par exemple nos modules principaux, à savoir modules de science, industrie et nourriture, ou débloquer des nouveaux modules mineurs comme les tourelles, les mitrailleuses, etc. Comme du skill. Non, tais-toi. non, pas de troll en plus, là, c'est pas facile à expliquer, s'il te plaît, merde. Et donc voilà, alors on doit évoluer. Donc là, vous voyez que quand je recule à mort, on a la carte du donjon. Alors vous voyez qu'il y a des zones avec de la lumière, c'est un peu bizarre. Je vous expliquerai au fur et à mesure aussi. En gros, on a ce qu'on appelle le dust en anglais, mais on appelle ça la brume vulgairement en français, ce qui est la vraie traduction, même si dust ça fait plus classe. C'est comme. Poussière. Oui, c'est ça, mais c'est nul, tais-toi. C'est pas moi, c'est la traduction qui veut ça. Tais-toi. Je suis francophone. Et donc, avec cette. C'est un peu la ressource de base du jeu, entre guillemets, qui nous permet d'alimenter les pièces, puisqu'une pièce alimentée permet d'éviter le spawn de monstres. Et donc, il faut que toutes les pièces soient alignées pour avoir pour que les pièces soient allumées, parce que sinon ça ne marche pas. Et notre cristal qui est ici, s'il se prend des coups, vous perdez de la brume, tout simplement. Voilà. Il faut ramener ce cristal à la sortie, vous verrez ça au fur et à mesure, vous inquiétez pas si je me fais pas lamentablement maltraiter par le jeu. Et donc vous verrez ça aussi au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Et voilà, je crois que c'est tout. Oui, il y a aussi des pièces auto-alimentées, donc on n'a pas besoin de les alimenter. Et si on met un héros dans une pièce, la pièce est allumée par défaut et donc il n'y a pas de spawn de monstres. Voilà. Je pense avoir à peu près expliqué. Au pire, si vous avez des questions, vous me demanderez, je vous expliquerai au fur et à mesure. Et puis si vous avez rien compris, c'est que vous êtes teubé. Voilà. Ou que vous vous appelez Muri. Tais-toi. Je cherche vraiment les enfants. Je vois pas de quoi tu veux parler. Aïe, putain, pourquoi moi ? Voilà, donc vous avez vu là à l'instant, j'ai allumé une pièce en plus, et j'ai eu les Shomish. Tu veux quoi ? J'ai dû soigner un héros. C'est aussi un système de soins, j'ai oublié de l'expliquer. Mais vous inquiétez pas, au pire sur la chaîne, il y aura des vidéos de toute façon sur Dungeon of Endless. C'est prévu, vous inquiétez pas. Ok. Alors je vais vous montrer maintenant un peu les recherches, ce que ça donne. Donc voilà, donc. Les recherches, c'est ça, donc en gros on a plusieurs choix, on choisit, etc. Mais il faut des points de science, et là j'ai claqué pas mal de points de science justement pour avoir mitrailleuse niveau 4 et module de bouffe niveau 3. Je vais dire des bêtises, mais non. C'est bah, ok, la partie elle pue déjà. Pourquoi ? Hein, quoi ? Non, sur Counter-Strike Global Offensive, je fais des matchs classés et ça pue. Bah là tu compliques tout, mec. Alors. Hop. Alors je suis désolé si je parle pas beaucoup ici. J'essaie de rester concentré un minimum parce que le jeu est franchement pas évident, surtout dans le mode de difficulté dans lequel je suis actuellement. Au Mich là dans ma partie. Alors c'est vrai aussi que j'ai oublié d'expliquer qu'en fait vous
si vous voulez, comment dire, en fait, à chaque fin de niveau, il faut aussi qu'on ait économisé des ressources, ce qui fait que le jeu est extrêmement stratégique aussi. Il ne faut pas construire trop de modules. Ce plus on veut en construire, en tout cas pour les majeurs, les mineurs, j'ai pas trop remarqué que ça augmentait le prix, même pas. Les majeurs, au fur et à mesure, ça augmente énormément. On passe de. Enfin, ça devient exponentiel l'augmentation, donc il faut faire attention aussi à ça. Et j'ai aussi un héros qui répare aussi les bâtiments, enfin les modules, j'ai oublié de le préciser, excusez-moi. Donc ça c'est plutôt pratique, surtout qu'à la longue on en a vraiment besoin, parce que vous verrez les ennemis deviennent un peu plus coriaces quand même, évidemment, hein. Sinon c'est pas marrant. Et dont les golems en particulier qui adorent péter nos modules, et je peux vous dire qu'à la longue ça devient très énervant si on n'a pas de héros qui répare justement les modules, parce que ça complique énormément la tâche. Et de quoi se défendre. Comment. Et de quoi se défendre aussi. Ah oui, c'est vrai, ça peut être ça aussi, ouais. Et puis en plus, là, j'en ai remarqué, les polygones bizarres, tu sais, les cristaux bizarres qui se baladent, ça fait aussi des dégâts sur les modules. Je m'en rappelais même pas pour te dire. Donc voilà, donc si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas, des remarques. Franchement, faut surtout pas hésiter, il n'y a aucun mal. À en poser justement de toute façon. Parce que le live Apatou est là, vu que c'est un complément pour la. Par rapport à la chaîne YouTube, hein, c'est pas du contenu exclusif à 100%. Bon, des fois si, quand même, vu que je prépare. Pardon, vu que je présente des jeux des fois qui arriveront extrêmement tard sur la chaîne. Donc, mais sinon, c'est le même contenu, hein, la même personne, le même contenu, tout. Sauf qu'en plus, il y a Sequoit qui dit des conneries à côté. Ah, Sequoit. Moi, connerie. C'est mon deuxième prénom. De quoi tu parles? I don't understand. C'est le mec. Pourquoi je suis dans. Pourquoi c'est la deuxième partie où je suis dans une mauvaise. Dans la mauvaise équipe. Attends, là je suis content. Dans la partie où je suis, j'ai. Plus 50. Alors oui, il y a aussi des cristaux qui pop. J'ai oublié de le dire. Donc c'est un peu comme des événements. Comme dans Endless Space. Je sais plus si dans Legend il y en a. Pour l'instant, c'est de la merde. Non, là j'ai eu Industrie plus 50% par tour. Nourriture plus 50% par tour. Et Science plus 50% par tour. Oui, mais la plupart du temps, c'est de la merde. Ah non, non, je veux te dire, dans mes parties d'avant, j'ai eu de très bons modules. Franchement, des trucs bien pétés. Là, c'est parce que t'as pas eu de chance. Merci, Valo. Pourquoi Valo, il est pas là? Non, 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 t'inquiète. Je sais ce que je dis. Je suis pas encore fou. Pas encore. T'es sur lui sur Skype? Non. Par Steam.